Allez, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ce Let's Play sur Devil May Cry Definitive Edition, mission numéro 15, si je me souviens bien, parce que depuis la dernière fois j'ai pas joué, et ça fait maintenant un petit moment que j'avais pas joué à ce jeu, et je me suis dit, avant d'attaquer d'autres Let's Play, faudrait quand même le finir. On va commencer tout de suite cette mission. Comme vous pouvez voir, je suis directement dans le menu principal, je suis pas embêté à attendre qu'on dise la voix machin là. On entend Devil May Cry. Bon, on commence tranquillement. On va aller d'abord dans le magasin comme à l'habitude. On va utiliser les deux points de capacité qu'on a. On va améliorer peut-être le fusil à pompe. Voilà. Et on va améliorer celui que j'aime bien, la grosse épée. Parce qu'il faut bien l'épée. L'épée, c'est bien l'épée. Voilà, on va mettre ça sur ça. Et j'ai jamais activé la roulette. Encore. Faudrait que j'utilise un de ces quatre. Mais bon, pour moi, on n'en a pas besoin. Dans les objets, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? De toute façon, j'ai pas assez. C'est vrai que la dernière fois, on a juste battu un boss. Et là, on doit faire, ça s'appelle l'échange. Voilà. Ouais, on a récupéré que 4 clés pendant tout le jeu. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Oh, merde. On va faire commencer la mission. Tranquillement. Et puis, on est parti. Pour de nouvelles aventures. Ah, mais sûrement enregistrer plusieurs numéros à la suite là. Comme ça, je serai tranquille. Putain, comme il est nick, mais c'est un truc de fou quoi. C'est vraiment un truc de fou, comme il nick quoi. Avance. Thank you.
Mais pourquoi t'as fait ça? Il le fallait. On ne joue pas avec un dieu. Mets-la à l'abri! Rouille! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Tiens bon! Ils vont pas y arriver. Oh là! Attends, faut que je me sers des touches. D'accord, ça, ok. Allez, c'est parti! Non, c'est là, c'est rouge. Ok, ok, ça part très très bien. Ouais. Là. Voilà, elle est là. Faire ça. Ok. Alors, j'ai pas compris son délire. Pourquoi il a fait ça? C'est... Merde. Putain, c'est quoi déjà là? Putain, c'est con, mais... Voilà. Putain, je fais trop... Je connais plus les touches. Ah, d'accord, ça, c'est là. Okay. Hop, 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 on fait ça. Mais non, mais abruti! Putain, abruti! Abruti, putain, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Oh là là, ça m'énerve quand il y a trop de touches dans ce jeu, c'est gonflant. Ça. Voilà. Voilà. Ouf, putain, pas trop tôt. Ouh, j'ai chaud. Oh merde. Oh putain, c'est chaud. Ouais, c'est pas grave, allez, on passe. C'est pas grave. On se concentre. Putain, pourquoi tu tires? Pourquoi il tire? Je comprends pas son délire de tirer. Peut-être j'appuie sur une touche qu'il faut pas ou j'en sais rien. Vous me direz, pas jouer pendant une semaine ou deux là, ça fait pas trop quoi. Allez, on va les niquer. Ouf. Il serait barré directement avec eux dans la voiture, ça aurait été plus simple. À mon avis. Cinématique hein, dans le niveau. Non, non, non. Voilà.
putain, je crois que j'ai pas réussi. Quoi? Putain! Mais non, mais il est con! Voilà, c'est bon. Oups! Oh merde! Non. Je joue comme une merde ce soir. T'es sérieux? Déjà? On s'en fout. Déjà? Ah bah disons, c'était rapide. Hein. Bon bah voilà, la mission est terminée. Je sais pas quoi dire. J'ai mouru deux fois comme un con parce que j'ai perdu le contrôle du jeu. Ça c'est le fait de ne pas avoir joué pendant X temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce let's play vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro que j'enregistre de suite. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ciao. Voilà. Ça tranquillement. Ouh là là.